Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la seconde vidéo sur Evil Within. Pourquoi Evil Within? Eh bien, tout simplement parce que j'ai trouvé que la première vidéo était pas mal et j'ai voulu quand même avancer dans le jeu. Donc on va essayer d'avancer un peu plus loin que la dernière fois, on va essayer de passer le niveau. Je vais voir si on n'a pas loupé quelque chose en passant ou ce genre de choses. Alors, faut peut-être attendre que l'écran de chargement est terminé. Alors, si on se rappelle bien la dernière fois, on avait le mec au sniper qui nous tirait dessus. Ça, c'était pas bien. Oula, où sommes-nous? Oula, d'accord, on réapparaît ici. Ok, d'accord. Ouh, il y a un méchant monsieur derrière nous. On va essayer de faire. Voilà, on va essayer de passer par l'escalier ici. Ça peut être pas mal. Ouh là 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 là. Ok, il y a une porte. Et moi, je suis en train de mourir. Ok, on passe la porte, d'accord. Il y a toujours le zombie derrière moi, par contre. Hein. Voilà, donc la porte, ferme-toi, merci. Ici on n'a rien, d'accord. Ah, j'ai peut-être allumé la lumière. Ah, donc on n'a plus rien ici, c'est dommage. Parce que juste avant, enfin la dernière fois, je sais que j'avais continué un petit peu après l'écran, quoi. Et j'avais trouvé justement des balles ici, mais apparemment elles n'y sont plus. Et je suis mort, d'accord. Allez, je ne peux plus sprinter, je suis en manque de vie. D'accord, logiquement, oui, c'est logique. Je suis en manque de vie, je ne peux plus sprinter. Donc quand je passe devant la bombe, je me fais exploser. Eh ben, c'est un bon début de vidéo, dis donc, ça nous promet. Alors c'est dommage, j'avais trouvé quelque chose à faire, et là je me retrouve de nouveau dans l'incapacité de pouvoir faire quoi que ce soit, puisque je n'ai plus de balles. C'est génial, donc à nouveau, il va falloir trouver une autre astuce. Alors je sais qu'il faut trouver une clé, j'ai retenu ça, il faut trouver une clé qui se trouve... La clé, je sais pas où elle se trouve, mais elle ouvrira devant le portail ou quelque chose comme ça. Alors on va peut-être monter en haut de cette échelle comme la dernière fois, histoire de trouver quelque chose en haut. Oh putain, c'est vrai qu'il y avait un zombie. On va le brûler celui-là vite fait, hop, ça c'est fait. On va récupérer un peu de drogue. Parce que mine de rien, ces points-là, ils peuvent être super intéressants. On va monter, il me semble qu'il y avait quelque chose en haut. Peut-être que je me suis drogué moi aussi, mais... Et au pire, on va aller en haut, on va se soigner, parce qu'il nous reste une seringue, alors autant en profiter. N'est-ce pas? Ah bon, t'es loin à monter, hein. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on peut le ramasser? Oula, c'est quoi ça? Carreau aveuglant. Oh, ça peut être pas mal, ça. Ce sont des trucs qui ne servent à rien, j'imagine. C'est de la drogue. Y'a rien d'autre? Ah, ça, on l'avait peut-être pas vu la dernière fois. C'est quoi ça? Et il faut regarder en bas. Ah, d'accord, c'est les indices, en fait. Et il faut regarder... D'accord, en fait, c'est juste pour regarder, c'est pas un indice. C'est juste pour regarder. Il y a des zombies. Je vois, d'accord. Tant pour moi. Alors, on va peut-être se soigner aussi, ça pourrait être une bonne idée. Non, on va pas soigner qu'un flingue, hein? Pas déconner non plus! On a des carreaux aveuglants, on va fabriquer un carreau. Allez hop, on a fabriqué un carreau. Ici, on se soigne. Je vais regarder en fait si on peut pas créer quelque chose comme dans Last of Us par exemple, parce qu'il me semble qu'il y avait un truc comme ça. Peut-être que je dis de la merde, hein, c'est possible. Parce que je me rappelle justement. Parce que justement, je viens de ramasser des trucs, outils, quelque chose, donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire, mais apparemment non. On va essayer de descendre et pas se faire buter. Ça pourrait être déjà un bon début. Du moins, je pense. Alors là, par contre, j'ai l'impression qu'il y a des zombies qui m'attendent en bas, non? Non, c'est un drapeau. Je confonds les zombies et les drapeaux. Tout va bien. On voit une lumière rouge ici, d'accord. Oui, j'essaie d'épier un peu les horizons pour voir où est-ce qu'on peut aller quelque part précisément. Ok, pourquoi tu viens de faire un jump aussi grand? T'es con? Salut toi! Je te laisse. Ouais, j'ai préféré arrêter. Mais non, mais non, mais t'arrêtes pas en plein milieu de l'escalier. Mais non, mais il est derrière, là, on va pas faire la même erreur que d'habitude, on va pas regarder s'il y a des balles ou quoi, parce qu'on sait très bien qu'elles y sont plus. Du coup, on va foncer directement, on va éviter de se prendre la bombe, ce serait déjà une bonne idée. Voilà. La bombe à exploser, c'est pas une bonne mauvaise chose, parce que du coup, on peut monter à l'échelle. Allez, je ne suis pas encore monté à cette échelle, je ne sais pas où ça nous emmène. On verra bien, avec un peu de chance ça nous emmène dans la gueule d'un zombie directement, tant pis. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a de nouveau des pièces, je ne sais pas à quoi ça sert ça du coup, enfin je ne sais plus. Des allumettes, ah c'est bien ça. Des points, d'accord. Et il n'y a jamais de balles dans le jeu ou comment ça se passe? La seule fois où j'en trouve, je les perds. Bah, du coup on va redescendre, ah il y a un zombie ici. Il y a un zombie tout en bas. Ah, le zombie tout en bas, je l'avais pas vu tout à l'heure. Donc ça, c'est assez intéressant. Ouais, là-bas, tu vas voir passer le zombie. Et le problème, c'est qu'il y a un putain de merde.
Oula, j'ai cru que j'allais me faire one shot, j'ai eu peur. Ok, laisse-moi passer, fils de Tom. Ah, il a niqué le piège à loup. Ça, c'est bien, il y avait un piège à loup avant. Je sais pas si vous voulez vous en rappeler. Ouh là 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 là, j'ai absolument pas confiance en ce que je suis en train de faire là. On va descendre, on va descendre, on va descendre direct, hein, on va pas perdre de temps. Oh merde, il y a un zombie là. Il y avait pas de zombie avant. Le truc, c'est qu'avant, il y avait pas de zombie à ce niveau-là. Ah, j'ai une hache. Je viens de trouver une hache. Et une bouteille, d'accord. Bon, entre la hache et la bouteille, je sais pas ce qui est mieux, mais. Waouh! Ouais, le seul problème c'est que je peux utiliser qu'une fois la hache, j'aurais dû l'utiliser sur l'autre personne, je suis débile. Ah, je remarque que le zombie là-bas ne m'a pas vu encore. Ce qui peut être une bonne chose. On a une bouteille, on va essayer de la lancer près de lui. Ça, il nous remarque pas. Voilà. Ouais, je regarde un peu les horizons parce que là par exemple j'ai vu une fourche, est-ce que je peux prendre la fourche? Non, je ne peux pas prendre la fourche. Là ce que je peux prendre c'est la fuite en tout cas. Ça j'en suis sûr. Je vais essayer de passer par là. Non, 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 putain, fais chier! Ah oui, je ne peux plus sprinter, donc toutes les bombes, je me les prends dans la gueule automatiquement, hein. Ce qui m'emmerde bien en l'occurrence. Fuir reste parfois la meilleure stratégie. Je sais ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure, mais je meurs. Je meurs, je meurs, je meurs encore et encore. À croire que l'amour est devenu ma meilleure amie, hein. C'est qu'actuellement, c'est un peu la galère. En tout cas, ils sont très jolis les mannequins. On dirait des anges pleureurs, mais en moins jolis. Bon, les chargements sont un peu longs. Alors, du coup, on va peut-être refaire la même chose. Puisque je pense que à l'inverse des balles, la hache y sera encore. Et cette fois, j'éviterai de l'utiliser contre lui. Je vais peut-être l'emmener jusqu'au sniper en fait. Parce que le sniper, si je le bute, ça peut être intéressant, vu que c'est lui le plus dangereux ici. Parce qu'après les zombies, je peux toujours courir pour les éviter, mais voilà, je suis mort, encore une fois. Ça change de d'habitude. Alors par contre, je vais regarder. Si j'ai encore une seringue, c'est du foutage de gueule. Clairement. Vous risquez davantage de vous faire repérer si vous passez près d'un ennemi en sprintant. Oh ben ça risque pas d'arriver, je n'arrive plus à sprinter en ce moment. Voilà. Bon, je vais voir ce que je peux faire, mais ouais, du coup, si j'ai plus de santé non plus, je vais pas pouvoir passer de ce côté-là. Il va falloir que je fasse tout le tour jusqu'à la grange. Et ça, je sais que c'est pas gagné. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Si, c'est bon, on a encore une seringue, c'est génial. C'est que ça part bien dès le début. Et je pense qu'on a encore les carreaux. Du coup, je vais peut-être pas remonter à la. Là-haut, parce que ça sert pas à grand-chose à pas récupérer des 2-3 petits trucs. Je le ferai après si je remeurs. Mais pour l'instant, ça m'intéresse pas. Ouais, là par contre, on a un piège à loup, donc faut faire super gaffe. Parce que si on se prend le piège à loup, on est mort. Hein. Alors ici, qu'est-ce que je dois faire? Alors ici, je vais voir s'il nous reste pas quelque chose du coup, vu que j'ai du temps cette fois. On n'a rien. Avant, j'ai foutu le feu à des bottes de paille. Sauf qu'il n'y a plus de bottes de paille. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Des zombies qui gueulent, je vois. Alors ici, on va peut-être... Ah, il n'y a même plus la hache. On n'a plus rien du tout. Ah si, 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 la hache est là. Pas déconner. Alors, on va pouvoir y aller. Alors que je retrouve le chemin du sniper, hein, parce que ça c'est pas gagné par contre. Où est-il ce fils de la plage? Ah là-haut, voilà. Je viens de retrouver, c'est là-haut. C'est juste ici. Par contre avant j'avais trouvé une grenade, là je n'ai plus trouvé de grenade. Ça m'emmerde un peu. Puisque c'était l'un de mes premiers avantages. Il n'est plus là, il n'y a plus sniper, hein, je tiens à le faire remarquer, il n'y a plus sniper. Du coup on va peut-être le tuer lui. Le brûler du moins. Bon, du coup, on a moins de points cérébraux, mais c'est pas grave, on survit comme on peut. Donc là, on a des fléchettes, on va peut-être les prendre, les fléchettes. On sait jamais, ça peut aider. En cas où on trouverait une arbalète un jour. Parce qu'il y a peu de chances d'arriver, mais on sait jamais, comme on dit. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on peut l'activer? On peut l'activer, génial. À quoi ça sert? Oh putain de ta mère! Est-ce qu'on peut l'activer une deuxième fois? Bah non, bien sûr qu'on peut l'activer qu'une fois. Ah non, on peut l'activer à chaque fois, d'accord. C'est en cas où un zombie viendra à nous poursuivre, on pourrait le tuer comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Mallette, on va ouvrir. Ouh, une petite carabine. Est-ce qu'on a des... Ouh, un fusil à pompe. Est-ce qu'on a des balles dedans? C'est ça que je suis en train de me demander. Déjà, où est ce fusil à pompe? Il est là. Ouais, on a 4 balles, hein, c'est pas génial. On va continuer à la hache pour l'instant. Oula, vous l'avez vu ça? Eh bien, ça, c'est un piège. Il ne faut pas passer dedans. Est-ce qu'on peut passer en dessous? Je ne sais plus.
Et je ne sais même plus comment on se baisse, c'est génial. Ainsi comme ça, voilà. Est-ce qu'on peut passer en dessous? Oui, on peut passer en dessous, ça c'est bien ça. Ah, il y a des ennemis dehors. J'espère qu'ils ne me verront pas. Là, c'est juste pour se cacher, ça ne sert à rien. Et je me suis piégé tout seul comme un trou du cul. Ah, bah non, je me suis pas piégé, ça va. Allez, viens, copain. Voilà, ça c'est fait. On va pouvoir le brûler. Pourquoi je brûle les zombies? Je ne sais plus, je sais juste qu'il faut le faire, c'est tout. Wow, sacré fusil. Il me semble qu'elle avait un flingue sur elle, hein, ou un couteau, un truc comme ça. Est-ce qu'on peut le récupérer? On ne peut rien récupérer, c'est pratique. Toi, mamie, tu vas reculer avec ton couteau. Hein. Et un deuxième, allez. Comme ça, c'est fait. On va peut-être pas tous les brûler, parce qu'on va manquer d'allumettes, sinon à la fin. Ouais, je vais essayer de trouver. Alors, il faut que j'ouvre ça. Je ne sais plus, je ne sais pas comment faut faire. Est-ce qu'il n'y a pas un indice près d'ici? Non? Aucun indice? Le jeu, tu pourrais m'aider un peu quand même, hein. T'es salaud, là. Wow, recule-toi, recule. Oh, bah, je l'ai prévenu aussi, hein. Oh, des balles. Bah, je récupère des balles, hein. Si je peux en avoir, autant en récupérer, hein. Alors, ce que je propose, c'est que du coup, on en profite vite pour récupérer les mêmes trucs que tout à l'heure. Comme ça sera fait. Ouais, non, par contre, si tu pouvais éviter de mourir, ce serait avantageux. Ouais, ça par exemple là, ça c'est avantageux. Voilà, on va brûler lui. On a plus d'allumettes, si? C'est pas grave, on n'a pas besoin d'allumettes, on peut récupérer ça directement. Ouais, par contre, je crois qu'il n'est pas mort, donc il aurait fallu le brûler, c'est pas grave. Alors, comme on le voit, il y a encore un zombie ici. On va essayer de. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec lui, ou même autour de lui, ce serait bien. Parce qu'avec lui, à mon avis, on va pas faire grand-chose. Le truc, c'est qu'il faut pas que la vidéo dure trop longtemps non plus, sinon ça ne sert plus à rien. On a un carreau aveuglant, on récupère les mêmes trucs que tout à l'heure, ça c'est fait. On fait pas le tour parce qu'on sait déjà ce qu'il y a. Et on redescend les gels. Voilà, c'est déjà un bon départ. Alors, comme vous voyez, on avance mieux que la dernière fois, déjà je meurs un peu moins. J'ai compris la stratégie, j'ai compris comment jouer. Donc, l'épopée d'un noob devient une vraie épopée puisque je progresse. Oula, oui, par contre, le zombie à l'âge derrière moi là, il m'intéresse moyen. Lui, il va mourir tout de suite. Voilà, ça c'est fait. Est-ce qu'on peut récupérer ce qu'il avait sur lui? Même si c'était pas une hache, c'était plutôt une faux. Mais aïe 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 aïe. On peut pas récupérer, d'accord. On peut que récupérer la bouteille. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Oula, j'ai loupé. Ok. Bah, ça tombe bien, je récupère des balles. Ça m'arrange. Ouais, par contre, j'ai récupéré des balles du petit. Du petit gun, hein, pas de cette arme là, c'est dommage. On va essayer de passer tranquillement, enfin tranquillement c'est une façon de parler bien sûr. Alors si on m'empêchait de passer ici avant, j'imagine que c'est parce qu'il y avait quelque chose, non? Non, apparemment il n'y a rien. Alors avant on a vu un zombie attaché, où est-ce qu'il est ce con? Parce que du coup je ne l'ai... Ah d'accord, il est attaché de l'autre côté. C'est pour ça qu'on l'a vu avant d'en haut et qu'on le voit pas ici. Oh il y a un... Oh, je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. On doit maintenir pour l'ouvrir. Oh putain, c'est une bombe. C'était un colis piégé et je suis coupé en deux. Génial, j'espère juste ne pas avoir perdu mes balles une seconde fois parce que ça m'énerverait. Wow, d'accord, j'étais absolument pas prêt pour un coffre piégé. Je pensais qu'il y avait quelque chose dedans, mais non, non, un petit piège comme ça arrive souvent. C'est la première fois que ça m'arrive, c'est dommage. Je m'attendais à quelque chose de mieux. On va pas se mentir. J'espère juste qu'on commence pas déjà de là où on a recommencé avant et qu'il y a moins de zombies et qu'on a les mêmes balles, qu'on a les mêmes trucs, qu'en fait on est passé devant un checkpoint à un moment. Ce qui n'est absolument pas le cas, si? Je ne sais pas. Alors, où est-ce que nous sommes? Oh, j'ai un truc enflammé, c'est pas mal ça. Bon, je vais peut-être le garder du coup pour tuer un zombie un peu meilleur. Sinon c'est inutile. Ah, c'est là donc il y a le zombie attaché. Ah, intéressant. Ouais, non, apparemment ça ne nous a pas sauvegardé, ça ne nous sauvegarde rien du tout. Hein. Voilà, lui il est brûlé. Et là on a des balles. Et elle est morte. Du coup, faut la brûler avant qu'elle se ranime. Voilà. Alors, normalement, l'autre il est déjà mort parce que je l'ai brûlé. Ah, une seringue. Ça peut être pratique par contre. Ouais, donc on va peut-être pas remonter à la tour parce que sinon ça va être vachement chiant. On va essayer de faire le tour comme ceci. Maintenant, pourquoi on fait le tour? Il n'y a plus sniper du coup, il est mort. Enfin, je sais pas s'il est mort, mais en tout cas, il est plus là, donc... autant passer directement par ici, quoi. Et chercher un moyen d'entrer, finalement, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, je suis mort ici, voilà.
Donc on va essayer de repasser ici. Comme ça on revient au même endroit, pas avec les mêmes équipements, mais on revient ici. On va pas le faire une deuxième fois, on est con mais il y a des limites. Je vais pas prendre le risque de l'ouvrir une deuxième fois, c'est pour mourir. Qu'est-ce qu'on y a là-dedans? Il n'y a pas d'allumettes, d'accord. Oula, 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 oula. Toi tu ne bouges pas. J'ai dit tu bouges pas. Il a bougé, il est mort. Voilà, c'est aussi simple que ça. Par contre tu vas faire gaffe avec son arme parce que moi ça va pas me plaire du tout ça. Ah il se relève, il a plus de jambes mais il se relève. Eh ben une balle dans le dos ça le calme hein. Moi je vous le dis. Alors en fait j'étais censé avoir des balles pour ce truc. J'en ai plus, c'est dommage. Est-ce que je peux l'agresser au sol? Non je ne peux pas, si, je peux, voilà. Alors est-ce qu'il a... Alors oui, je vois un truc qui brille. Donc normalement je peux récupérer ce qu'il avait. Ce serait bien qu'il dégage. Non, je peux rien récupérer. Donc je me retrouve sans armes et face à des millions de zombies nouveaux. Ça m'avait manqué tout ça, dis donc. Je pensais avoir récupéré des balles en fait, mais apparemment non. Bah c'est pas grave, on va y aller un peu à l'arrache, de nouveau. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, va falloir faire gaffe où on met les pieds, parce que ce serait con qu'on tombe sur un zombie et qu'il commence à nous poursuivre. Alors en fait, je ne sais pas du tout où nous sommes. Du coup, je vais essayer d'avancer un petit peu dans les maisons, voir ce qu'il y a. D'accord, donc en fait, si on est au niveau de la grange, on est juste un rang plus tard, c'est tout. Ah, des bottes de paille. Ça ne sert à rien. Là il y a un zombie, on va peut-être éviter de l'approcher, ça serait bien. Parce que si on se fait déglinguer, on va être dans la merde. On va essayer de passer par là, peut-être qu'il y a un truc à récupérer, quelque chose, non, rien. S'il y a un bâton de flamme par terre, ça peut être intéressant ça. On peut pas le récupérer, c'est dommage. Alors là, j'ai vu un truc pour appuyer sur X, alors je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'était les arbalètes dans le mur, mais apparemment il n'y a rien. Est-ce qu'il y a... Ah, et les allumettes. On pensait pas que c'était intéressant, mais si, 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 c'est intéressant. Ah, on peut voir par la fenêtre. On peut voir qu'il n'y a rien. Ce qui est d'autant plus intéressant. Ah, on peut prendre quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Un arbalète agonie. Ouh, on a l'arbalète. Voilà, on a l'arbalète. Donc en fait, on va peut-être remonter en haut, histoire de retrouver... histoire de retrouver les fléchettes... les fléchettes qu'on avait avant. Ça peut être pas mal. Je vais essayer de me placer l'arbalète dans la main déjà, ça pourrait être un bon début. Hop, voilà. On va fabriquer des carreaux. On peut pas aller plus loin, d'accord. Mais du coup on va prendre l'arbalète en main, parce que sinon on va mourir. Ah mais c'est bon, j'ai déjà les deux, donc en fait j'ai pas besoin de remonter, c'est parfait. Alors ça on savait que c'était un piège, ça on y est allé avant, c'est un piège. Et ça, ça sert à quoi du coup? C'est la même chose ou Oui, c'est exactement la même chose mais des deux côtés, d'accord. Ah, on peut ouvrir le tiroir. D'accord. Bon, écoutez, je sais qu'on n'a pas réussi à progresser plus que ça, mais je pense qu'on va tuer encore un petit zombie ou quelque chose et on va s'arrêter parce que la vidéo commence déjà un petit peu à durer et pour pas grand chose en fait. Du coup, on va peut-être essayer de le tuer lui là pour commencer. Oula, bouge pas trop s'il te plaît. Oh putain, ça explose. Je ne savais pas que ça explosait, malheureusement. Ah, en plus, il avait des balles ce con. Ouais, donc je pense qu'on va en rester là et qu'on verra plus tard. Génial. Il doit y avoir quelque chose qui peut couper ça. On va essayer de. Un truc du genre. Ah, bah oui, il y a une tronçonneuse. Écoutez, on va se laisser là-dessus et puis on recommencera la prochaine fois à chercher la tronçonneuse du coup. Allez, c'était tout pour moi. À la prochaine. Ciao!